Hey matelot, ici Dave Froy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel d'une maison moderne facile à faire sur Minecraft qui est celle que tu vois derrière moi, voilà, avec une entrée majestueuse de 4 blocs de large à l'étage carrément, une partie surélevée, une piscine, tout ce qu'il faut, et je t'invite du coup à venir faire cette maison avec moi si jamais t'as envie de la faire, voilà. Un petit peu le projet de cette vidéo. Hop, on va venir ici du coup pour la faire. Alors, en premier lieu, je vais t'inviter à prendre du quartz, pas mal de quartz. On va construire notre maison à 4 blocs de hauteur. On va venir faire notre première plateforme en fait de la maison à 4 blocs de hauteur. Et donc, on va venir empiler déjà 10 blocs de quartz sur la longueur. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, faire une ligne de 10 blocs. Ok. Par là, du coup, on va faire une ligne de 20 blocs. Donc, à partir de là, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Après, dans ce sens là-bas, on va en faire 30 sur la longueur. Donc là, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 29, 30. Même, j'ai mis un de trop, je crois. Voilà, donc une fois qu'on est arrivé à là, dans ce sens-là, on va en faire 10 aussi. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après, on va tout simplement revenir par ici, faire une ligne comme ça, voilà, et par là-bas, refaire une ligne dans l'autre sens. Hop. Et on va s'arrêter là où ça se croise, tout simplement. Ok? Et donc l'idée, c'est qu'on va remplir complètement cette surface-là de quartz, hein, tout simplement. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on va reprendre la même plateforme, mais à 4 blocs au-dessus. C'est-à-dire qu'on va revenir ici, 1, 2, 3, 4, ok, et à partir de 4 blocs du coup au-dessus de cette première plateforme là, on va en faire une deuxième exactement la même, ok? Ok, une fois qu'on a nos deux plateformes comme ça, on va venir ici sur le coin, ok, et on va venir sur toute cette longueur là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sur 10 blocs ici, faire un mur complet pour relier à la partie du dessus, d'accord? Ok, comme ça. Ici, du coup, de l'autre côté du coin, à ce niveau-là, on va reprendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs. Mais cette fois-ci, on va relier avec le sol, ok? Tout simplement, on va baisser le mur tout jusqu'au sol. Voilà. Et on va prolonger, en fait, dans le sol directement, toute une surface de blocs de quartz. Là aussi, donc la même chose que cette partie-là, en fait, hein, cette partie-là de la maison, on va la prolonger au niveau du bas, tout simplement, hop, pour que toute cette surface-là que je viens d'ouvrir, hein, toute cette surface-là, on va la faire en quartz aussi. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on commence à avoir un peu la forme globale de la maison qui commence à ressortir un petit peu, hein. Et une fois qu'on a fait ça, du coup, on va pouvoir directement placer l'escalier principal de la maison, hein. Ok, donc on va prendre des escaliers en quartz. Et on va venir directement dans le creux ici, mettre 4 blocs comme ça d'escaliers en quartz, avec des escaliers à l'envers aussi, ça fait plus joli, en dessous. Et on va venir faire un escalier comme ça qui va venir tout jusqu'au sol. Hop. Ok. Voilà. En essayant de cliquer où il faut. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait cet escalier-là, on va reprendre nos blocs de quartz et on va mettre deux blocs comme ça de quartz sur la hauteur juste à côté de l'escalier et on va les prolonger sur toute la longueur ici du mur. Ok? Voilà. Et donc voilà, les deux blocs ici, on les plonge sur toute la longueur du mur là-bas. Et au bout de ce mur-là, ici, on va juste rajouter 3 blocs ici, comme ça, pour joindre avec la partie du dessus, en fait, de la maison. Et là, dès qu'on s'éloigne, bah, là, tout de suite, tu vois que la maison, elle commence à ressortir vachement, du moins, la forme vraiment de la maison est là, déjà, hein, véritablement. Donc, maintenant, ce qu'on va mettre, c'est les escaliers en quartz pour faire un peu des piliers, en fait, à cette partie-là de la maison. Ok? Donc on va venir voilà à peu près ici hein, de la maison hein, sous la maison et on va venir faire hop des piliers en oblique comme ça en mettant des escaliers pouf hop comme ça et la même chose de l'autre côté des escaliers à l'envers et à l'endroit pour faire un peu
hop, des piliers comme ça qui sont obliques du coup. Et c'est vrai que ça rend plutôt bien. Moi, j'aime bien. Voilà. Du coup, maintenant, on va prendre les blocs de laine grise, ok? Ou les blocs de béton gris, hein, comme tu veux. Et on va venir ici, là, sur le côté de la maison, en dessous, faire une forme comme ça. C'est-à-dire qu'on va essayer de dessiner un espèce de petit U, comme ça, ok? On va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs ici. On va en mettre 4 après, ok? On va recompter 1, 2, 3, 4, 5 et on va remettre 2 blocs ici. Ok? On va faire la même chose de l'autre côté. Pouf, 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 pouf. Et en fait, ça, tu l'auras compris, ça va être les emplacements des murs. Donc voilà, tous ces blocs de laine grise qu'on a mis au sol, là, on va monter les murs comme ça jusqu'au plafond pour pouvoir faire bah, tous les murs de cette partie-là de la maison. Et une fois qu'on a fait ça, du coup, hein, on a nos premiers murs qui sont mis sur la maison, ce qui est pas mal. On va tout de suite mettre l'équivalent au niveau de l'étage du dessus, hein, c'est-à-dire qu'on va venir ici, okay, sur le coin de notre maison. On va refaire le même petit U qu'on avait mis, hop, à l'étage du dessous. Puis on va mettre dans le prolongement de cette partie-là, hop, ici comme ça, une espèce de coin, ok, comme ça. On va venir prendre ce mur-là, on va venir sur le côté ici mettre deux ou trois blocs comme tu veux. Ok. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. Et à partir du 7e bloc, on va remettre 4 blocs ici comme ça. Ok. Donc voilà, moi je les mets directement jusqu'au plafond, mais bon. On va venir du coup jusqu'au bout de notre mur ici et on va venir faire un truc comme ça. Ok. Et ben voilà, ça va être l'emplacement des murs finaux. Pouf, pouf! Voilà, donc avec deux blocs de ce côté-là et surtout de la longueur du mur ici, on va remplir tout ça. Donc évidemment, le reste des murs qu'on avait mis tout à l'heure, il faut les mettre jusqu'au plafond. Hop! Voilà. Et du coup, on va juste faire un petit truc avant de mettre les vitres en place, c'est-à-dire qu'on va utiliser deux sortes de vitres. On va utiliser les vitres transparente normale pour la maison de manière globale, mais on va aussi utiliser des vitres grises, grises foncées d'ailleurs. On va venir prendre les vitres grises aussi pour pouvoir les mettre en fait dans notre espèce de petite fente qu'on a mis ici là, tu vois. Donc les vitres grises, et ce sera la seule emplacement où on va pouvoir les mettre dans la maison, c'est dans la fente ici, ok, sur la longueur. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va utiliser le reste des vitres et on va les mettre dans tout le reste de la maison, c'est-à-dire dans toutes les ouvertures ici comme ça. D'accord? Pouf pouf. Et on va les mettre partout. Hop. Comme ça, tu vois, mais dans tout le reste des ouvertures, sauf ici du coup au niveau de l'entrée de la maison. Mais sinon, voilà, tout ici, tout partout, on va mettre des vitres. Et une fois qu'on a fait ça, on va juste ouvrir la partie des vitres qu'il y a ici, tu vois, sur le devant de la maison. Pouf, 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 et les mettre par devant comme ça pour avoir une ouverture pour la partie de la maison qui est ici. Comme ça, on a directement devant l'escalier l'accès au premier étage et l'accès au rez-de-chaussée en même temps. Donc comme ça, au moins, c'est pratique. Alors maintenant, on va mettre les petites finitions et notamment la piscine, hein, l'une des grosses particularités de la maison. Hop, donc on va reprendre nos blocs de quartz que j'avais déjà dans mon inventaire, d'ailleurs, et on va venir mettre sur le côté comme ça de notre escalier une piscine. Alors on va quand même avoir un minimum de blocs de marge, donc voilà, on va mettre 4 blocs de marge à côté de notre escalier, ok? Donc on va venir ici, 1, 2, 3, 4, pouf, et jusque là on va venir en fait coller au poteau oblique comme ça et on va venir voilà sur autant de blocs que tu veux finalement, hein, sur une dizaine de blocs, quinzaine de blocs, et on va venir comme ça creuser devant la maison. Alors c'est vrai que j'ai pas de dimension spécifique à la piscine, voilà, donc je vais voir si là elle passe bien. Oui, hein, là c'est une bonne taille de piscine, donc je vais te donner les dimensions, hop, si tu veux faire la même. Donc voilà, 19 blocs de longueur sur 10 blocs de large à 4 blocs du coup d'espace avec l'escalier. Voilà. Pour ceux qui ont envie d'avoir exactement la même chose.
Donc voilà, moi je vais remplir les côtés de la piscine de quartz. Et on va creuser en fait à l'intérieur, bah tu l'auras compris, pour mettre de la flotte hein, tout simplement. Hop. Ok. Donc voilà, la partie en vert comme ça de la maison, enfin de la piscine à l'intérieur, on va complètement l'ouvrir. On va enlever toute la partie d'herbe comme ça et on va même creuser encore la partie du dessous ici dans la piscine. Voilà, donc je creuse tout ça vite fait. Et une fois qu'on a fait ça, on va tapisser le fond de la piscine de laine bleue ou de blocs bleus, hein, de béton. C'est vrai que j'aime bien le béton. Là, je fais les tutoriels sur une version ou sur laquelle il n'y a pas encore les bétons sur Minecraft, mais c'est vrai que les blocs de béton, moi j'aime bien. Honnêtement, je pensais que lors de la mise à jour qui a créé les bétons, ça aurait aucun intérêt. Mais en fait c'est vachement sympa, je trouve. Après, voilà. À vous de voir. Là, c'est vrai que j'ai fait une piscine qui n'est que de 1 bloc de profondeur. Tu peux faire plus si tu veux, évidemment. Hein. Voilà, moi, c'est vrai que j'ai fait une piscine juste pour faire joli, plus que pour vraiment l'utiliser et faire des courses de bateau dedans, par exemple. Hein. Mais même si tu peux, hein, techniquement. Hop, donc voilà, on va recouvrir toute cette histoire-là de flotte. Ça serait plus sympa. Voilà. Et du coup, on va aussi remplir la surface que je vais faire ici, c'est-à-dire la surface devant notre bloc d'escalier, hop, jusqu'au bord de la piscine, hop, ok. Voilà, donc toute cette surface-là que j'ai délimitée, en fait, on va la tapisser en quartz, tout simplement. Voilà, hein, tout simplement. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va utiliser les barrières de bois, comme ça, et les feuilles pour faire des petits arbustes, en fait, sur la maison, tout simplement. Et donc, on va les faire ici, tu vois, derrière l'escalier, dans cette petite langue d'herbe qu'on a à ce niveau-là. Et donc, on va venir, voilà, mettre comme ça, trois petits arbustes. Pouf, hop, pouf, et pouf. Parce que ça donne sympa, ça donne un côté sympa, moi, j'aime bien. Et on va aussi en rajouter ici, là, sur le devant de la maison, dans l'espèce de creux qu'il y a ici. Donc voilà, ici comme ça, 1, 2 blocs, 1, 2, paf. Et on va mettre deux barrières les unes sur les autres ici. Ok. Et par-dessus ces trucs-là, on va rajouter 1, 2, 3 blocs de feuilles. Est-ce que c'est suffisant? On va rajouter un quatrième quand même. Pouf, pouf, pouf. Voilà, donc là, ça donne un côté plus sympa tout de suite à la maison. Et une fois qu'on a fait ça, on a quasiment fini. En fait, il nous faut de mettre quelque chose sur le toit, parce que c'est vrai que le toit, là, pour l'instant, il est un petit peu tout nu, hein, j'ai envie de dire. Donc, l'idée, c'est qu'on va venir mettre des panneaux solaires ici sur le côté. Voilà, 2-3 blocs de large, par exemple. Hop. Voilà. Hop. Les panneaux solaires, c'est vraiment le truc ultra classique pour les toits modernes, en construction moderne. Mais c'est vrai que voilà, ça habille un toit, c'est vrai que c'est pratique. Hein, on va pas se le cacher. On va mettre une petite bouche d'évacuation aussi, hop, comme ça, avec des rails et des tapis qu'on va venir mettre autour des rails pour faire un petit peu voilà, des bouches d'aération, hein, vraiment pour le bâtiment. Ok. Et en fait, pour le reste de la maison, on va juste rajouter quelques petites feuilles, en fait, tout simplement. Voilà. Pouf, pouf, par exemple. Hein. Voilà. De l'autre côté aussi, histoire d'habiller un petit peu le toit, finalement. Hop, voilà, de faire tomber des feuilles comme ça, un petit peu. Et puis, je pense que c'est à peu près bon. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Hop, non, a priori. Hein. J'avais même pas mis de feuilles, d'ailleurs, sur le toit, là-bas. Hop, donc comme ça tu peux voir les deux versions de la maison. Tu prends celle que tu veux, celle avec des feuilles sur le toit ou celle sans. Et sur ce, bah, la maison est finie, voilà. Donc j'espère que ça t'aura plu, mets un pouce bleu à la vidéo, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je t'invite à voir les autres vidéos de la chaîne si cette maison te plaît. Et sur ce, je te souhaite un très bon jeu, bon vent matelot et à la prochaine.